Je m'appelle Jean-François Schumacher, je suis marié à une femme médecin, j'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons. Je suis originaire de la Lorraine et plus précisément de Nancy. Donc j'ai repris l'entreprise SMC, Société Métallurgique de Corbenay. C'est une entreprise qui a divers métiers, en particulier la découpe, l'emboutissage, le pliage et la mécanosoudure. Donc nous avons 2 marchés, d'une part la quincaillerie du bâtiment et d'autre part le marché du B2B pour l'industrie. Donc fabricants de volets et bien évidemment les quincaillers nationaux. Et pour le marché du B2B, nous travaillons pour la machine agricole, pour l'ameublement, l'éclairage public. Donc ce qui m'a conduit à reprendre SMC, c'est une entreprise ancienne qui a de l'expérience, qui a des marchés récurrents. C'est un métier que je connais par ma formation et par mon expérience. Et j'ai senti tout de suite que c'était une entreprise qui avait des capacités de développement. Et c'est ce que je recherchais pour reprendre une entreprise. Donc l'entreprise réalise un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'heure actuelle et elle a des capacités machines et de surface et d'hommes pour pouvoir progresser en chiffre d'affaires de 10 à 20% par an dans les années futures. En fonction des conditions actuelles, ça évoluera peut-être sur les premiers exercices. Alors je compte conserver les différents métiers de l'entreprise, c'est-à-dire ce que je disais précédemment, la quincaillerie et le B2B, avec un axe plus fort sur le B2B parce que mon expérience personnelle me permet d'apporter plus de valeur ajoutée pour tout ce qui est industrie.